Bonjour, bienvenue à Moulinet. Ici, nous sommes sur la place centrale du village, un petit peu moins de 800 mètres d'altitude. Moulinet, c'est un territoire qui s'étage entre 500 mètres et presque 2000 mètres d'altitude. Et ici, on est à la montagne, au frais l'été, alors qu'on peut aller piquer une tête dans la Méditerranée à moins de 45 minutes d'ici, à Menton. Donc c'est un village qui a un peu plus de 200 habitants. Et on est fiers d'accueillir des touristes l'été, mais même à l'année, c'est très agréable de vivre ici. Là, sur la place, on a à la fois donc, une place ombragée et un jeu de boules. Tout à l'heure, on va monter voir au col de Turini, à 1600 mètres d'altitude, le site des étapes du rallye de Monte-Carlo. Et un peu plus haut, le char de Lothion, la fromagerie et la station de Camp d'Argent, où on peut skier l'hiver, parce que c'est aussi une station de ski sur la commune de Moulinet. C'est pour ça qu'elle est là. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. En forme? Oui. C'est mon beau-frère. Bonjour. Et oui, je vous reconnais. Bonjour Patrick. Donc ici, on est à l'épicerie du village. C'est une épicerie qui appartient à la commune et que nous louons à Magali, mais on a un contrat avec elle qui fait quand même, en fait, la commune aide un petit peu l'épicerie à fonctionner. Tout voilà. Hein, à l'année en particulier. Pour le village, c'est essentiel, c'est presque le poumon de la vie de la commune. Les personnes se retrouvent ici, elles peuvent venir au bar. Elles ont accès à un large choix de produits pour une petite commune comme Moulinet. Messi. Et en particulier l'été, effectivement, pour les randonneurs, c'est important puisqu'on est une commune de randonnée. Hein, il y a beaucoup de possibilités de faire des tours sur les chemins aux alentours. Donc là, on est à 800 mètres d'altitude maintenant. Et donc Moulinet est très grand, propose un territoire grand. Je suis à 1000 mètres d'altitude, propose beaucoup de possibilités de faire de la randonnée. Et ici, les randonneurs peuvent s'approvisionner, mais aussi les gens du village, hein, puisque l'épicerie est ouverte 6 jours sur 7 à l'année. Alors, vous avez donc le côté bar, où on sert des cafés, des apéritifs. Ensuite, vous avez le côté épicerie, où on essaye de privilégier les produits locaux. Vous avez un peu de congélation, vous avez des produits frais, vous avez des fruits et légumes et tout ce qui est épicerie sèche. Ensuite, vous avez le gaz, vous avez le tabac et vous avez le dépôt de pain que nous allons chercher tous les jours sur Sospel et nous mettons à disposition le pain tous les matins à partir de 8h pour les habitants. Voilà. Donc après, vous avez aussi pour les randonneurs les sandwichs fait minute, les boissons à emporter, etc. Ça, c'est un vrai moulinois. Hein, c'est un vrai moulinois, c'est un Doya, c'est une des familles de Moulinet. Hein. Jean-Luc. Dit Jean-Luc de Cabas, maire de Cabas. Et on n'est pas dans le Doya. Dans le secteur de Cabas où tu habites, tu es le seul à habiter, donc tu es le maire. Hein. Un des lavoirs de Moulinet qui sont encore utilisés de temps en temps. D'ailleurs, il y a du linge qui est en train de sécher là, à l'étang noir. C'est un mode traditionnel, mais que plusieurs habitants du village utilisent encore hein, pour faire leur linge. Ici, nous sommes dans l'église Saint-Bernard. Saint-Bernard de Clairvaux est le patron du village. Et l'église date de 1500, c'est-à-dire le moment où la paroisse est devenue autonome par décision de l'évêque de Vintimille, qui l'a détaché de Sospel. Sospel ayant été un évêché de l'antipape d'Avignon. Donc Moulinet, du coup, était détaché de Sospel pour devenir paroisse autonome en 1500. Et donc, un peu sur le côté, à l'entrée, on va voir la chapelle Sainte-Catherine, ancienne chapelle des pénitents, qui est très, très jolie. Donc la chapelle des pénitents blancs de Moulinet, c'est une des deux chapelles de pénitents. Il y a également une confrérie des pénitents noirs qui a fonctionné ici. Et donc on en est fiers parce qu'elle a un beau retable. Elle a gardé des porte-drapeaux de procession religieuse. Donc c'est un bel endroit aussi de Moulinet qui peut se visiter avec des stalles sur les côtés qui sont également d'époque où les prieurs pouvaient notamment chanter.
Donc ici, on est à 800 mètres d'altitude sur la place du village. Et on a une borne électrique qui permet aux personnes qui viennent de Menton ou de Monaco de faire l'aller-retour sans problème. Elles peuvent même aller plus haut, hein, rejoindre Turini. Alors, la borne de recharge est toute ouverte à tout le monde. Hein. Il suffit de venir, on peut brancher, il n'y a même pas besoin de carte. La municipalité le met en accès libre. Et la voiture peut être louée à la demi-journée ou à la journée auprès de la municipalité. Il faut demander à la poste. Voilà, ici, donc on est devant le panneau que la municipalité a fait pour montrer les boucles de randonnée qui sont nombreuses autour de Moulinet. Il y en a pour tous les niveaux, hein. Il y a les faciles, les sportives, les alpines. Et on voit ici le tracé du GR52 qui passe sur la commune, qui arrive à la fromagerie de Cabane Vieille, où on va aller tout à l'heure. Et vous voyez également des points, là, des petites étoiles qui marquent des glacières. C'est des endroits où, à Moulinet, en fait, en hauteur, là où la température peut être assez basse l'hiver, on faisait la glace qui restait sur place et était cassée l'été pour alimenter les bars et les hôtels de la côte, à l'époque où il n'y avait pas des congélateurs, tout ça. Donc ce sont des sites qu'on peut rejoindre parfois en randonnant. Il y en a qui sont sur les sentiers de randonnée, là. Mirodon, Praet, Nastour. Et c'est des buts de randonnée, des balades très agréables. Voilà, il y a aussi des vestiges militaires sur les balades, des canons, des forts, parfois des vieilles ruines aussi, d'anciens établissements de villageois. Alors nous sommes ici sur le col de Turini. Le col de Turini est en partie sur le territoire de la commune de Moulinet, mais à cheval sur une autre commune qui est celle de la Bolène. Ici, c'est aussi la rencontre de trois vallées. La vallée de la Bévéra qui coule donc à Moulinet, la vallée de la Vésubie qui est dans cette direction, et un petit peu plus loin, la vallée des Paillons. C'est pourquoi l'établissement s'appelle l'hôtel des Trois Vallées derrière nous. Vous allez bien ? Oui. Non, lui, c'est bien parler des voitures. C'est le chef historique. Oui. J'ai connu des Ragnotti et tout ce qui s'en suit à l'époque où ils étaient jeunes comme moi, quoi. Et on a pris cette affaire et on a relancé un peu de l'automobile. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait aucune plaque, aucune photo, rien. Et on a relancé ça dans le but de laisser aux anciens un bon souvenir. Et bon, bah, chaque année, on a une dizaine de rallyes par an ici au Turini. Plus les groupes, on a une moyenne de groupes de voitures. Hier, nous avions Porsche, Alpine, on a des groupes Lamborghini, Ferrari, autres. On est connus mondialement, me disent les pilotes de course quand ils viennent les pilotes de rallye me disent qu'on soit n'importe où dans le monde, le col de Turini est connu mondialement. La première chose dès qu'on est français, c'est qu'on demande vous êtes français, donc ben, le col de Turini, voilà. Donc voilà, et puis on a maintenu cette ambiance, qui est quand même une bonne ambiance. Hein. Faut admettre une chose, c'est qu'ils sont tous sympathiques, gentils, et il n'y a aucun problème, il y a une discussion, on est heureux, quoi. Alors ici, nous sommes à 2000 mètres d'altitude, c'est pratiquement le point le plus haut de Moulinet, hein. On est un peu plus haut que le col de Turini. Et c'est un endroit très spécial parce que vous voyez derrière moi un char américain, donc de la Seconde Guerre mondiale, et c'est peut-être le seul endroit au monde, à ma connaissance, où il y a eu un combat de chars à 2000 mètres d'altitude. Les chars normalement ne s'engagent pas en altitude puisque leurs moteurs ont du mal à supporter. Le responsable allemand du fort de Lothion n'a pas cru quand il a été prévenu qu'il y avait des chars qui arrivaient au départ. Et donc c'est vraiment un endroit très agréable. En plus, on a autour de nous une fromagerie communale où les personnes peuvent acheter du fromage. On peut se balader ici, il y a plein de possibilités de balade. C'est un endroit très agréable. On a aussi une vue depuis le circuit de Lothion sur la mer Méditerranée, depuis nos 2000 mètres d'altitude. Et l'été, la commune paye des salariés pour faire un petit point d'information au chalet de Thuès, qui est au début du circuit. Vous allez bien, oui ? Oh ! On est venu faire un peu de publicité, hein, pour la fromagerie et pour Moulinet. C'est hein. D'accord. Ah, écoute, moi, ça me fait plaisir d'être ici. On voit en plus tes beaux fromages là-bas hein, qui sont en train d'affiner. C'est ça qu'on dit. Hein, ouais. Hein. Là, ils sont au salage encore. Mais... Et puis, on est dans un environnement qui a été mis aux normes européennes et qu'on maintient aux normes européennes régulièrement. J'en ai parlé hier au parc. J'ai dit, ici, il n'a plus rien à demander. Voilà. C'est bon.
C'est une fromagerie qui appartient à la commune, parce que donc vous êtes le locataire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. On est à 2 mètres d'altitude, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Après, on a une belle nature. Le parc, il joue un rôle aussi dans cette nature. Il aide à l'entretien de lumière, voilà. Demain, on le met là, on va le saler d'un côté, 24 heures d'un côté, 24 heures de l'autre. On tourne les autres et après, on le monte au-dessus. Jusqu'à ce que ce soit plein, et puis on l'amène à la cave à vinage, c'est tout. Tout va bien après. On attend. Et on mange un bon fromage qu'on peut acheter juste à côté du char quand on se balade à Lothion. Ça coûte le fromage au maire aussi, hein, parce qu'il a bien mérité aussi, puisqu'il est venu jusque-là. Allez, hop. Non ? Et la petite jeune fille, là ? Oh, la jeune fille, elle, ça m'étonnerait qu'elle bouffe le fromage de Cabanelli. Mais... Donc hein? Ça, c'est le fromage, Louis, qu'on peut acheter quand on vient se balader, randonner autour de Moulinet. Tout à fait. Et aller à presque 2000 mètres d'altitude sur le circuit de Thion. Tiens, toi, je t'ai encore enlevé la croûte, alors, tu vois. Vous êtes juste en dessous des ruines de Cabanelli et du chat, hein, voilà. C'est ça. Mmh. Ça, c'est du vrai fromage de montagne. Hein. C'est bon, hein. Ça fait plaisir que ce soit une jeune qui le dise, parce que les anciens, eux, ils connaissent un peu mieux, donc mais les jeunes, des fois, il est fort, il est ici. Il est là. Donc ici, c'est Notre-Dame de la Menour, c'est un de nos joyaux, elle surplombe les gorges de la Bévéra, on va les voir tout à l'heure. Et c'est un site qui est plus ancien que le village lui-même, puisque c'était l'église de l'ancienne communauté moulinoise avant qu'elle aille s'installer au confluent de la Bévéra et de la rivière Peracava. Donc c'est une chapelle qui date, pour sa partie la plus ancienne, de 1200 à l'arrière. Alors on va se quitter ici sur le parvis de Notre-Dame de la Menour, juste en face des gorges de la Bévéra, par lesquelles on peut descendre jusqu'à Menton, notre petit Machu Picchu avec de la montagne dentelée. Et j'espère que ce reportage vous aura donné envie de mieux connaître Moulinet et de venir nous visiter. Vous avez vu qu'on a de quoi vous accueillir, qu'il y a beaucoup de sites touristiques. On a une épicerie, on a donc la mairie peut vous héberger. Il y a également sur le col de Turini l'hôtel des Trois Vallées, un peu plus haut l'Estive, différents établissements. Et plein d'endroits à découvrir et surtout beaucoup de buts de balade. Donc s'installer ici l'été pour randonner ou venir l'hiver pour faire du ski, c'est l'idéal. Et en plus, on n'est pas loin de la mer, 45 minutes de la mer, les cimes des Alpes.